Imbécile, faire du fric c'est facile. Donc viens par ici, tu verras tous tes désirs. J'suis dans le bloc et la plupart me disaient d'arrêter le peurat. On vous fuck, check, j'suis pas tout seul, j'ai ramené tout mon entourage. Que tu me trouves bon ou mauvais, j'en ai rien à faire. Paix, déter, ouais, sur le terre-terre. J'suis passé de locataire à propriétaire. J'rappe pour mes gava, crochet de Ben Arfa. 4-4 et j'écris mes textes en 2-2 dans le 4-4. J'ai rien à cacher, on fait des vrais plans, c'est fini les vols à l'arraché. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, on dirait 92 Chatillon, mon gars Driss Merck est là. Bien quoi mon gars? Tranquille. Salut. Mon gars PCN, que vous avez déjà vu dans d'autres interviews, il est là aussi. Bah je vous laisse vous présenter un petit peu. Moi c'est Driss Merck, je viens de Chatillon, un quartier qui s'appelle la Cité Blanche. Voilà, on est là, 92-320. Voilà c'est tout. Ouais, moi c'est PCN, je viens de Pandani, 17ème. Voilà. Rappeur. Rappeur hein. Afro-trap. Sale. Sale. Ça, c'est ça, mon. Alors, du coup, t'as commencé quand le rap, toi, exactement? Je crois. Ma première vidéo sur YouTube, mon premier son sur YouTube, il date de 2015. Donc, voilà, ça fait 3 ans maintenant. Hein. 2 ans, 3 ans. Hein. Puis, t'as eu l'idée comment de commencer? C'est les grands chez moi, ils rappaient. Ils étaient là, ils donnaient de la support, tout ça. Et moi, quand je les voyais aller au studio, tout ça, je voulais tout le temps venir, tu vois. Tout le temps aller les voir, aller voir ce qu'ils faisaient, ça m'intéressait de fou. Et après, voilà, je me suis lancé dedans. Ils ont arrêté, après, moi, j'ai pris la relève, tu connais. Ok, alors là on est sur le tournage d'un de tes clips, je te laisse un peu expliquer. On est sur le tournage d'un clip, Ice to Ice 3. C'est un clip un peu trap et un peu rap conscient. On a mélangé deux thèmes. Voilà, le tournage est là-bas, tu peux filmer. Hein. Ouais, tu peux faire un petit tour. C'est en direct, tu vois. Ouais. Ok, lourd. Puis ton blast Driss Merck, ça vient d'où ça? Ah, Driss Merck, non, bizarre, hein, ça je peux pas dire ça. Ça je peux pas dire, Driss Merck, je peux pas dire, c'est confidentiel. Ouais. Okay, pour l'instant, ça reste pour moi. Après, voilà, on verra okay. Bien. Alors, c'est mon gars PCN, hein, il m'a parlé de toi. Il m'a passé un coup de fil. Ouais. Il m'a dit, ouais, il y a un mec qui veut t'interviewer, tout ça. Je dis, non, wesh, tu mens, tout ça. Après, il m'a dit, si, t'inquiète, il va venir le jour du tournage. J'ai dit, ah, vas-y, bien. Bah, lourd, et puis, bien. Du coup, ça se fait comment la connexion entre vous deux? Parce que vous êtes pas du c'était, même quartier. C'était quoi? C'était sur un projet à moi qui s'appelait L'œil du Banks. Et je l'avais vu sur YouTube, tu vois, j'avais repéré sur YouTube. Ouais. J'ai vu qu'il était bon et qu'il mélangeait afro-trap et trap. Donc du coup voilà, je l'ai contacté, ça s'est fait au feeling, sur les réseaux. Ouais, voilà, on s'est appelé, voilà, et depuis on est toujours en contact, hein, même si le projet il est fini, on est toujours en contact. Ouais. Puis lui il fait de l'afro-trap, ça te tente un peu ça toi ou pas? Ouais, l'afro-trap ça va, c'est cool, hein, c'est cool, c'est pas trop mon truc, moi je préfère rapper, tu vois, toujours, ouais, ouais. Moi toujours dans le rap tout ça, mais afro-trap ça ambiance. Hein. Dans S2S2 j'ai fait, ouais, dans S2S2 j'ai fait un peu d'afro-trap, j'ai essayé. Après on verra ce que ça donne, on verra ce que les gens y disent. Hein. Ouais, puis alors du coup là sur le clip qui est en train de se passer, ouais. Il y a une deuxième partie de son, c'est un son en deux parties, c'est ça? C'est ça, ouais. Et il y a une partie un peu plus calme à l'ancienne c'est et tout calme à la fin. À l'ancienne, ouais, avec et toi PCN, c'est pas du tout ton truc, est-ce qu'on pourra te voir un jour faire ça toi? Ouais, pourquoi pas, moi je suis polyvalent, hein. Moi tous les styles me vont. Hein. Moi afro-trap, conscient, trap, hardcore, tout. C'est ça, je peux tout faire. Jour. Puis alors du coup, j'ai vous poser une question à vous deux. Je sais pas si je t'ai déjà posé dans l'interview, mais au cas où on va redire, est-ce que vous avez un top 3 de vos rappeurs préférés? On va commencer par toi, Tessman. Pour moi, le rappeur qui m'a bercé, on va dire, qui m'a bercé depuis tout jeune, c'est Rof. Et pour moi, il n'y a que lui, hein. Il y a Rof, après, voilà, il y a les nouveaux qui sont arrivés, nouvelle génération, Nino, tout ça, ils sont bons. Niro aussi, Niro, je kiffe. Ouais, Niro, c'est quelqu'un aussi. Et toi, mon gars? Moi, j'ai pas de top 3. Mon top 3, c'est PCN, PCN, PCN. PCN, à mort. Non, je rigole, non. Moi je kiffe à fond Niska en ce moment. Mmh. En ce moment, je suis à fond sur Niska. Et voilà, et j'aime bien MHD. Mmh. Même s'il m'a copié avec la scène Afro-Trap, hein, il m'a copié. Non, MHD, voilà, Niska, voilà, les trucs basiques. Hein, voilà, j'ai pas trop de rappeurs préférés, moi je les apprécie tous. Ouais. Enfin, quand le son est bon, je soutiens. Okay. Du coup, tu m'as parlé avant de venir que toi, à l'époque, avant l'Afro-Trap, t'avais appelé un petit freestyle Logo Beat Trap. Ouais, Logo Beat Trap, ouais. Vas-y, je te laisse. Ouais, j'ai fait un concept comme ça sur une Astro Logo Beat un peu, et j'avais rappé dessus. Voilà, c'était avant que MHD arrive, quoi. Mais bon, après, il y avait plein qui sont lancés dans l'Afro-Trap, il n'y avait pas que moi. Donc, ouais, donc après, c'est MHD qui a pris le délire, qui a fait monter le délire, c'est tout. Après, ouais, voilà. Ok mon gars, on est en direct de ton quartier donc Driss Merck. Est-ce qu'il y a d'autres rappeurs ici? Il y a d'autres rappeurs ici, ouais, il y a la Bengo Delta, ouais. Qui habite juste là au Libis. Ils sont bons, c'est des petits chez moi. Ils sont bons. Ils habitent là dans le bâtiment là, ils ont des sons sur YouTube, tu peux les retrouver sur YouTube, Bengo Delta, tu tapes ça. Et il y a aussi Chrismo aussi, il habite aussi dans ce bâtiment, Black Mafia. Il fait partie de Black Mafia aussi, lui aussi il envoie aussi. Okay. Voilà, ils sont bons, franchement c'est.
vois, ça promet pour la génération future. Jour. Non, c'est lourd, c'est lourd. Puis tous les deux, vous avez des futurs projets chacun? Ouais, on a enregistré un son au studio. Mm-hmm. Ça s'appelle La Grinta. Et franchement, ouais, ça va, il est pas ça, mal. Ouais, hein. Ok, lourd. La dernière question, je la pose pareil à chaque rappeur. Est-ce que t'as une équipe de foot préférée? Moi, c'est Marseille. Marseille, Marseille. Ah, Panam était pour Marseille. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça la petite punchline que j'ai entendue sur les Qataris. C'est ça, les Qataris, gros, bizarre. Ah, hein, eux, ils sont venus, ils ont tout niqué, gros. Ils sont arrivés, ils ont mis les billets, ça y est. Ouais, en plus, c'est mais vrai, toujours, toujours pour Marseille, toujours. Ok, bon, en tout cas, merci à toi, frérot, pour la participation. Vas-y, mon gars. Attends, je t'ai pas dit le foot. Ah ouais, t'as ouais, il a pas répondu. Ouais, excuse-moi. Toi, tu vas vite, toi, tu vas vite. J'avais dit dans l'interview, c'était moi, tu t'inquiète, j'avais dit. Ouais, tu l'avais dit la dernière fois. On a été dans l'enfance. C'est ça, c'est ça. Ok, vous avez des réseaux sociaux où on peut vous retrouver? Ouais, ouais, moi, voilà, Instagram, PCN-6 et Snapchat, PCN-6. Voilà. Moi, c'est simple, hein, Drismer92320. Tous les réseaux, ça s'appelle la même chose. Je me suis pas cassé la tête. YouTube aussi, PCN officiel. Voilà, voilà. PCN officiel. Moi, c'est Drismer92320. Ajoutez, c'est simple, hein, Snap, Twitter, Insta, Facebook, YouTube. C'est tous la même. Drismer92320, ouais. Tu me trouves partout. Pas cassé la tête, mon pote. Ok, bah lourd, merci à vous, les gars. En tout cas, ça fait plaisir. Ouais. À la prochaine, frérot. Je vous laisse le mot de la fin si vous avez des petites dédicaces, quelque chose à dire. Moi, dédicace à mon gars Dembax, toujours là depuis petit. C'est ouais. La paire, de toute façon, dans S2 S3, c'est la paire, tout ça. On est ensemble depuis petit, tout ça. Donc, grosse force à lui, on est ensemble. Ouais, et voilà, ouais, moi. Dédicace à personne, fallait être là. Tu t'en souviens de la sale époque, tu partais en cours avec un peu de coque. Y'a que mes frappes que je serais croqué. Si je perds ton pleura, la frottie t'es coquette, donc son gars est cocu, la concu. Je la bois avec du bizarre, tu critiques mais tu lacs. Moi je trouve ça bizarre.